Donc là va, yo ma mission dans ton pays, ça y est, aux autres comme il faut. Place nous à ouais ça les sous-souter. Ah? Oyogi, allez quitter. Polo ça, on est là bas, tiens, on est là quand même. Non, l'homme est là, Kekuna, Kekuna. Là va, ah? On a besoin d'un arrangement. Comment ok? Ah aïe, n'y a pas de caca. Vraiment. Qui sait quoi? Et en plus, il y a des gens qui ont mis partout en Europe, dynamique, qui ont mis partout en Europe. Maman Coquette, Moussala est commis sur partout. Tu as commis en Suède, tu as commis à Paris, tu as commis à Lille, tu as commis à Bruxelles. Et puis, base la vie sur l'Italie toujours, Londres, Angleterre. Bisous la dynamique Congo, deux ans pour avancer dans le colo. Troisième et dernière partie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Critique Info. Nous parlons de la problématique de cette jeune dame qui a été violée par ses amis de l'école. Un crime sexuel, je veux dire, commis par ces jeunes gens. C'est vrai, ça attriste tout le monde. Ça fait très mal. Comme je le dis hier, quand on est parent et quand on aspire à être parent, on a tous peur. On a tous peur, on se dit, mais... Nous ne sommes-nous pas menacés par la même chose, par cette même nébuleuse? Et donc les organisations internationales, je veux dire nationales, se sont levées pour apporter leur soutien à cette jeune dame. Moi aussi d'ailleurs, je me dis que cette jeune dame ne méritait pas ça. J'entends un faux débat, le Congolais est certain, qui disent « Non, cette fille, elle était mal habillée ». Tout ça, mon amouké bongo, bilambalataki amabe. Je me pose une question, je me dis encore une fois, nul n'excuse le viol. Rien n'excuse un viol. Même une fille nue ne mérite pas un viol. Même une folle ne mérite pas un viol. Donc ne vous cachez pas derrière l'habillement de la jeune fille. Même une fille immorale ne mérite pas un viol. Même une prisonnière ne mérite pas un viol. Donc ce n'est pas une raison pour dire non, banamike bongo, à quel hôtel Kolukamine, même si elle allait à l'hôtel, elle ne mérite toujours pas un viol. Les enfants sont des enfants. Et quand on est parent, on sait ce que c'est. Les enfants sont des enfants. Vous n'allez pas remettre les forfaits d'un enfant sur son père ou sur sa mère. Ah, c'est vrai, il y a des exceptions. Assez bien gardées. Mais je crois humblement que cette fille ne mérite pas ça. Elle n'a que 13 ans. Quand une fille dit non, elle dit non. Et ça, nous devons inculquer à nos enfants ça comme valeur. Elle, nos enfants, nos garçons, nos fils doivent apprendre à respecter les noms de la femme. Quand une femme dit non, elle dit non. Vous n'allez pas la prendre par force. Quand elle dit non, elle dit non. Vous devez arriver à respecter le nom de la femme. Vous ne pouvez pas l'obliger, en fait. Parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et encore une fois, ce débat mesure le niveau de la population, le niveau de la mentalité de la population. On est quel type de population? On est quel type de peuple? Quel est le regard que nous avons vis-à-vis de cette injustice? Nous avons tourné le dos à la personnalité de la jeune dame. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui publie ces photos. On publie la photo de la jeune dame pour s'attirer la compassion ou je ne sais pas pour faire le buzz. Mais on ne fait pas le buzz dans le malheur des autres. On ne fait pas le buzz sur le malheur des autres. Je ne peux pas imaginer un seul instant que la photo de la jeune dame soit publiée. Pourquoi vous publiez cette photo? Pourquoi vous publiez? L'avenir est encore là, la petite fille a un avenir. Elle n'a que 13 ans. Si on l'encadre bien, si on l'aime bien, si on donne encore de l'amour à cette jeune fille, elle peut se refaire, elle peut encore croire en elle. Mais les images que vous avez balancées, les images que vous avez diffusées, mais ces images resteront éternellement. Ces enfants verront une fois que notre maman a été violée et on avait diffusé sa vidéo. Pourquoi? Le viol est une honte. On ne peut pas montrer ça à la télévision. Je ne suis pas d'accord que l'on montre ça à la télévision. Que l'on montre ça comme une... Je ne sais pas moi, comme on dit pour dire que fille a violé qui est... Yéouyou. Non. Je veux bien que l'on défende cela. Je veux bien que l'on critique, que l'on attaque ces actes. Mais on ne peut pas diffuser la photo de la jeune dame, sauf si elle-même veut témoigner, sauf si elle-même veut mener un combat pour dire j'ai été violée à 13 ans,
je commence à devenir ambassadrice, je lutte contre le viol sexuel et les violences, pardon, et tout. Elle peut, si elle-même veut, mais vous ne le faites pas contre son consentement. Si c'était votre sœur, allez-vous faire la même chose? Aujourd'hui, les gens disent, arrêtez ces enfants qui ont violé, arrêtez-le, tuez-le. Il y en a d'autres qui disent, pas comme ça, la prison à vie. On est bien d'accord, mais retournez-vous la situation maintenant. Si c'était votre jeune frère, sur qui vous placez toute votre confiance, arrive à commettre un acte de vandalisme de cette hauteur, auriez-vous le même punch? Auriez-vous la même rigueur? Accepteriez-vous que votre frère fasse la prison? C'est un questionnement personnel qu'on se pose. Avant d'imputer aux autres un jugement, posez-vous la question, si c'était vous à la place, accepteriez-vous le même traitement et les mêmes châtiments? Parce que nous devons être un peuple consciencieux. Un peuple qui pardonne, c'est vrai, mais surtout un peuple qui pardonne ceux qui doivent être pardonnés. Et dans la plupart des cas, ceux qui méritent notre pardon, c'est généralement les enfants. Ils méritent notre pardon. Tout acte de vandalisme d'un enfant repose toujours par une petite défaillance de l'éducation d'un parent ou des parents. Mais toujours pas, hein, toujours pas. Il y a des enfants qui font eux-mêmes ce qu'ils pensent faire. Mais je crois qu'il est temps de s'asseoir un peu et de dire, protégeons la jeune fille. J'ai vu les enfants, pardon, des gens se mobiliser, politiser l'affaire même, attaquer les parents des enfants violeurs. Pourquoi vous attaquez les parents violeurs? Qui est ces parents que vous connaissez qui peut se réveiller un matin et demander à son enfant, mon fils va violer les enfants à l'extérieur? Quels sont ces parents que vous connaissez qui peut le faire? Dire par contre, certains parents n'ont pas été présents dans le processus d'éducation de leurs enfants, je veux partager votre point de vue. Mais dire que ces enfants ont fait ça parce que leurs parents ont l'argent, je ne vois pas le lien. Je ne vois pas le lien. Parce que les Kouloumas, quand ils vont violer les filles, ce n'est pas leurs parents qui les envoient. Et nous avons les Kouloumas qui violent. Les Kouloumas qui violent, quand ils violent, qui les envoient? Personne ne peut envoyer un enfant pour qu'il aille violer. Lorsque les enfants le font, c'est simplement une déviance. C'est simplement un mauvais comportement, une mauvaise habitude. C'est peut-être une mauvaise éducation, mais ça ne peut pas dire que papa a envoyé son enfant. Comme j'entends aujourd'hui, ce sont les familles qui sont attaquées, les familles qui sont menacées. Et je ne comprends pas notre société, malheureusement. J'ai très mal. J'ai très mal. Hier encore, j'ai lu un poste. Parmi les petits qui ont violé, il y en a qui ont des sœurs à la maison. Mais voilà les Congolais comment ils sont. Ils prennent les images de ces jeunes filles et ils disent, bon, t'as la bande de Koyabasi, il y a garçon et a violé. Bon, violé, pe bango. Mais vous menez quel combat alors? Dites-moi, vous menez quel combat? Vous menez le combat parce que c'est cette fille qui a été violée ou vous menez le combat parce que c'est une fille qui a été violée? Alors, si vous menez le combat parce qu'une fille a été violée, comment vous pouvez demander aux gens d'aller violer les autres filles? Est-ce que vous comprenez cela? J'aurais compris si vous avez demandé aux gens d'aller violer les garçons. J'aurais compris ça. Mais je ne peux pas comprendre que vous demandez aux autres garçons d'aller violer les jeunes filles. Mais c'est quelle société? Je m'indigne. Je m'indigne, moi. Je m'indigne d'apprendre que certains Congolais se comportent de cette façon-là. Parfois, j'ai mal. Je me dis, mais est-ce que ça sert à quelque chose le combat que nous menons? Est-ce que ça vaut la peine même de parler encore à cette société remplie de vengeurs, remplie de gens qui ne veulent voir que le mal des autres? C'est pas possible. Les pauvres jeunes filles qu'on a diffusées dans Photo Nabango, qu'on a finalement jetées comme ça. Je demande au président de la République, en fait, même pas au président, parce qu'on est tous habitués à demander au président, au président, au président, au président. Je demande à la justice de faire son travail. Moi, je demande au procureur général maintenant de se saisir de tous les gens, de toutes ces personnes. Il faut une loi sur nos réseaux sociaux. Je crois qu'il faut une loi qui prendra en charge nos réseaux sociaux. Parce qu'on ne peut pas être dans ça, c'est une récréation maintenant. C'est un désordre. Comment vous pouvez prendre les vidéos de jeunes filles innocentes qui n'ont rien à voir avec les actes posés par leurs frères et vous diffusez ça, vous dites « Bande kona bango, bande kona bango, bon violer bango pe ». Est-ce qu'on est sérieux un peu? Et puis quand on va les violer, vous allez encore descendre dans la rue pour dire « Une fille a été violée, assez, droit des femmes, droit des femmes ». Droit des femmes, ça veut dire quoi? Une jeune fille a été violée. On ne peut pas accepter qu'un autre cas de ce genre se produise. On ne peut pas accepter. S'il vous plaît, soyons tolérants. Je crois que revenons au bon sentiment. Nous avons connu un cas grave. Notre jeune sœur a connu un problème.
protégeons cette jeune fille et jurons que pareil acte ne se produise plus. Éduquons nos enfants de façon qu'ils ne tombent pas dans cette bêtise. Préparons nos enfants à faire face à des éventualités. C'est très important. Mais il y a encore une autre question fondamentale. C'est que pourquoi les gens vont aller à Kim, devant le révérend Kim? Ils y vont pour faire quoi? L'enfant n'a pas été violé à l'école. L'enfant a été violé en dehors de l'école. Alors soyons sérieux à un moment donné. Ce n'est pas à l'école qu'on va demander des règlements de compte. C'est plutôt à la justice qu'on demandera de régler les comptes. Pas à l'école. Pas à l'école. L'acte odieux a été perpétré un jour férié. Ce n'était pas à l'école. Mais pourquoi vous déstabilisez l'école? Pourquoi dire, toi, le roi là-bas, on a vu sur l'école, et dans la tine à mon côté? Non, ça ne sert à rien. Ce qui s'est passé ici, mais ça s'est passé dans ma école Moudou sous catholique. Vous vous souvenez? Cette fille qui a été violée aux toilettes par une sentinelle dans une école en Bandaka. Est-ce que vous vous rappelez des nombreuses filles qui ont été violées dans les écoles en Mbujimayi, dans le au Kananga, à Chikapa? Vous vous rappelez plus? Vous vous rappelez plus de ce qui s'est passé au Congo central? On a des cas comme ça au Congo central. On a des cas comme ça à Goma. On a des cas comme ça à Kinshasa. Partout dans beaucoup d'écoles, ces cas se passent. Il faut plutôt traiter la question de notre éducation, de notre système de surveillance, de notre éducation. Ce sont là les grandes questions que l'on doit se poser. On ne parle pas des individus simplement. On a interjecté appel, c'est vrai. On a interjecté appel. Connaissez des voies claires. Si vous estimez que les 7 doivent tous être emprisonnés, bon, allons-y dans ce sens-là. Mais n'allez pas dans le sens de vulgariser, disons, publier la photo de la jeune dame et exposer les autres, les sœurs des violeurs au viol collectif aussi. Pourquoi vous souhaitez ça aux autres? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Menons un bon combat. Si vous voulez vraiment aider la fille, allez la rencontrer. Supporter ses frais académiques ou ses frais scolaires, parce qu'on comprendrait que vous l'aimez beaucoup. Aidez-la à tenir longtemps. Invitez-la dans vos conférences de prière. Et invitez-la si vous le voulez. Soutenez-la dans la prière. Soutenez-la. Allez chez elle tous les jours. Allez la rencontrer. C'est beaucoup mieux que de faire des sit-ins à niveau à école. Non, ça ne sert absolument à rien. Allez-y devant l'hôtel où ça a été commis. On peut d'accord. Allez-y au niveau du tribunal. On est d'accord. Mais arrêtons. Arrêtons de politiser l'affaire. Arrêtons de politiser l'affaire, ce n'est pas bien. Moi, je suis indigné, ce n'est pas du tout bien. Je n'encourage pas cet acte odieux. Je dis que je suis contre ce qui s'est passé. Cette jeune fille mérite respect, elle mérite honneur. Je demanderai plutôt à ses parents une chose. Maman et papa, si vous êtes vivants, prenez votre fille, prenez-la dans le bras. Il faut beaucoup l'aimer. Ne la reprochez de rien. Cette pauvre fille, elle a tout simplement été innocente de sa naïveté. Elle est allée à la fête, comme tout le monde. Le mal qui est arrivé, peut-être qu'elle n'a pas demandé cela. Et même si on accepte que, bon, comme les gens disent, ah, l'inga qui n'a déjà moutoumoussoussou, et puis après, qui a dit parce qu'elle a aimé quelqu'un qu'elle devrait être finalement utilisée de cette façon-là? Non, c'est une jeune dame. C'est une jeune fille, elle peut avoir des sentiments pour quelqu'un, mais ça reste un enfant. Ça reste un enfant. Je ne suis pas d'accord quand les gens disent que pour l'attaquer Mabé, comme je le dis, hein, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce qu'elle s'est mal habillée qu'on doit la violer. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue. Je suis contre le fait que l'on pense que cette fille méritait le viol. Elle ne le mérite pas. J'entends certains audios. Non, cette fille elle-même l'avait demandé. Elle voulait sortir avec un garçon. Mais vous avez bien dit un, mais vous n'avez pas dit 7 garçons. Je n'encourage pas non plus le fait qu'elle ait ces envies-là. Mais je ne peux pas la tuer pour ça. À mon avis, cette jeune fille, elle est victime à tout point de vue. Elle n'a rien à s'excuser. En tout cas, même pas du tout. C'est pourquoi, chers parents, regardez votre fille comme le bijou que vous aviez toujours. Ne la réprimez pas. Ne la punissez pas non plus. Parce qu'elle a été punie plus que ce qu'elle pouvait s'imaginer. Gardez cette fille. Dites-lui tous les jours qu'elle peut se refaire dans la vie. Que dites-lui tous les jours que celle qu'on a violée est restée. On a pu peut-être toucher son corps, mais son âme, on n'a pas touché. Son esprit, on ne l'a pas touché. Il faut dire à la fille qu'elle a encore un avenir proche, elle a encore un avenir propre, elle a encore un avenir meilleur. Mais c'est elle maintenant qui doit définir ce qu'elle veut devenir demain. Moi, j'irai la rencontrer. Mais je n'irai pas aujourd'hui, ni demain. J'attendrai que ces mouvements passent. Parce que tout ce qui se passe maintenant, les gens veulent faire le buzz. On les laisse faire le buzz. Nous, on ira plus tard.
Et quand j'irai la rencontrer, je dirai à cette jeune dame ceci. Ma sœur, tu es belle, tu es jeune. Tu as toutes tes chances devant toi. Alors ne te détruis pas. Ne te détruis pas. Tu mérites mieux. Ce qui s'est passé, c'est simplement un accident. Simplement un accident. Certains enfants comme toi, certainement mal éduqués, mal intentionnés, ont voulu te faire ce qu'ils t'ont fait. Ils ont profité de ta naïveté, de ta jeunesse, mais ils n'ont pas arraché ta vie. Ils n'ont pas obscurci ton parcours. Tu peux t'élever et te battre encore. Tu peux t'élever et te battre encore. Tu peux te rendre utile. Ils ont pris simplement du plaisir, mais ils n'ont pas pris ta considération. Ils n'ont pas pris ton cœur. Ils n'ont pas pris ta nature. Ils n'ont pas pris ton intelligence. Tu peux repartir et refaire mieux. Regarde la société avec courage, avec détermination. Tu es une fille, tu te battras. Voilà ce qui se passe généralement dans la vie. Je n'ai que ça. Je n'ai que ça avec moi. Regardez, c'est 5$ que vous voyez. C'est un billet de dollars, n'est-ce pas? Il est prestigieux. Chez nous au Congo, ça peut t'acheter un hamburger. Oui, ça peut t'acheter vraiment un bel hamburger. Un très bel hamburger que tu mangeras et ça sera bien. Le 5$ au Congo, tu peux faire le marché. C'est bien, n'est-ce pas? C'est vraiment de la valeur. Mais regarde-moi maintenant, chère sœur. Il y a deux choses dans cet argent. Ce que je m'apprête à faire a déjà été fait par plusieurs personnes. Je répète simplement pour t'illustrer cela. Donc si quelqu'un coupera cette vidéo et te la donner, ça va être une bonne chose. Regardez, vous prenez ces billets. Voilà ce que je fais avec. Voilà. Je chiffonne le billet et je le laisse tomber. Vous pensez que ce billet a perdu sa valeur? Non, n'est-ce pas? Ce billet garde toujours sa valeur. Si je vais avec au marché, on me donnera ce dont je veux avoir. Donc, l'hamburger, ici, en ville, j'achèterai l'hamburger avec ce même billet. Vous avez vu? Bon, je continue encore à la chiffonner davantage. Vous voyez? C'est toujours la même chose. Ici au Congo, je garderai toujours, ça garde toujours sa valeur. D'autant plus que l'argent ne s'est pas déchiré. Donc au Congo, comme l'argent n'est pas déchiré, aux yeux des gens, je suis un 5$ froissé, mais je garde ma valeur. Donc en réalité, le problème, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui se passe. Le problème, c'est est-ce que je garde ma valeur ou je ne la garde pas? Si, l'argent garde toujours sa valeur. Vous êtes la même chose. On a froissé votre corps, mais on n'a pas pris votre valeur. Merci beaucoup au président de la République qui s'est prononcé. Merci également à la dame, madame Denise Nyakiro, qui s'est elle aussi prononcée sur cette affaire. Et ils ont dit, la présidence a décidé d'ouvrir l'œil et les bancs. Pas seulement pour cet acte, mais pour que tous les autres actes comme ça soient mis au clair et que c'est les présumés violeurs dans certains cas et les violeurs de ces cas précis soient punis de façon exemplaire, tout en tenant compte de leur statut d'enfant, tout en tenant compte qu'ils sont des mineurs, mais qu'ils soient sérieusement sanctionnés pour que pareil acte ne se reproduise sur aucune jeune fille. Non à la violence faite à la jeune fille. Voilà ce que je pouvais dire, messieurs et dames. Denis est manque à gagner de plusieurs millions de dollars à Kassindi après 3 journées, ville morte. Bounia, début du procès en flagrance de présumé meurtrier d'un Chinois et un militaire FRDC. RDC, 7000 finalistes attendus au jury national de l'enseignement des sciences de la santé. Kengo hospitalisé à Bruxelles, c'est un communiqué qui nous arrive. Pour les solutions à la sécurité de Beni, le député Paul Mouindo croit à la grande expérience de Moussa Niamoussi sur les questions liées à la sécurité. En Ituri, un député provincial et 14 co-accusés poursuivis pour meurtre d'un commerçant. Voilà. Et bon, non, Moni, Bakangi, Batoute, Moni, Toloba Kiango, Awa. Ce député qui a abattu le commerçant d'être aux arrêts. Bon, Moni, et comme. Boloba Kio, Batinda Kite, Bato Sali Lokote, Yango, Bopé, ça peut communiquer à eux. Boloba Kiango, Kibakangi, Batou. Bassin du Congo, Kinshasa et Brazzaville accusés de favoriser la destruction de tourbières, c'est ça? Pour des raisons économiques. L'ECC appelle la veuve de Tshisekedi à jouer son rôle majeur du chef de l'État. Je n'ai pas compris. Ok. Sud Kivu, 2 enfants d'une même famille meurent au marché La Voix
du Congo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'en est fini. Maintenant, les questions et les réponses. Loni Guindou. Christian, sur base de quelle infrastructure Félix se fixe l'ambition de donner à l'armée la gratuité de soins de santé? C'est une très belle question à poser au président de la République via son conseiller principal en matière de santé, je crois. Alex Bouta, quelles sanctions peut-on infliger à un prisonnier évadé? La réinsertion. La réincarcération. Je crois l'avoir bien dit. La réincarcération et puis l'isolement. Alberto Boaliboudougué. On a connu une loi en RDC interdisant la circulation des véhicules vieux fabriqués avant 2005. Mais curieusement, son importation continue. Quel contraste. Le problème de la RDC, nous sommes parmi les pays qui produisent beaucoup de lois, mais nous ne les appliquons pas. Voilà. Simon Kayembe. Pendant que Félix a pris la décision qu'aucun militaire ne peut surveiller les carrières des mines, le gouverneur de Lalaba déploie les policiers et militaires pour la sécurité. Je crois qu'il faut lire, il faut aussi appliquer cette loi. Elle n'est pas toujours appliquée. Moi, j'étais à Lubumbashi. Hein, il y avait toujours des militaires dans les mines, quoi. Donc, il faut appliquer les lois. Le problème, c'est qu'il faut appliquer les lois. Kemele Gilbert. La conséquence de l'accord signé entre Kabila et Chilombo est que l'Assemblée nationale a plus chômé que travaillé. Will Lidogi. Christian, Moussa Nyamusi n'est qu'un leader le moins fort de la Mouka. On a qu'à compter le nombre de députés qu'il a dans cette législature. Donc son retrait de la Mouka est un événement. Non, monsieur Willy Lidogi. Ça c'est ce qu'on appelle une lecture sélective. Et monsieur Martin Fayulu, combien de députés à l'Assemblée nationale? Combien de députés a-t-il? Non, il faut pas aller dans ce sens-là, d'accord? Monsieur Matungu, combien de députés à l'Assemblée nationale? Non, il faut pas aller dans ce sens-là. Monsieur Mozu, toi, combien de députés à l'Assemblée nationale? Non. Si la taille, la force se mesure par le nombre de députés qu'on a à l'Assemblée nationale, alors il faut laisser monsieur Katumbi et monsieur Bemba trôner au-dessus de la Mouka. Si c'est ça l'élément définitif, disons, avec lequel vous qualifiez, je crois que ce n'est pas par rapport à ça. Papi Mwanza. Très bonne analyse, mais il faut être prudent avant de déboulonner tout un système. Avant de déboulonner tout un système, il faut d'abord l'analyser, le comprendre et puis le déboulonner. Souza Zeko. Christian, si avant une année, le président remarque que l'Assemblée se constitue en frein pour son programme, il peut dissoudre cette institution? Non, il ne peut pas. Oh là là, donnez-moi le papier. Il ne peut pas. Je continue. Adi Mogijo. Ce ne sont pas des têtes bien faites qui nous manquent en RDC. Mais pourquoi il n'y a que des médiocres qui nous gouvernent? Tes invités ont vraiment de la matière. Le problème, c'est la coordination. C'est comme une équipe de football. Si vous mettez Messi à la défense et vous mettez Piqué à l'attaque, pendant un temps, Barcelone va perdre. Barcelone finira par perdre si Messi joue à la défense. Figurez-vous que Cristiano Ronaldo est à la défense des Juventus. Mais il perdra. Figurez-vous, imaginez-vous que Buffon fasse la médiane. Mais il va laisser les gens passer. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer, qu'il ne faut pas imaginer. Nous, notre problème, c'est la coordination. C'est le recrutement qui pose un problème au Congo. Nous avons Janda Jan. Christian, au Congo, quel est le critère qu'on retient pour recruter des policiers et des militaires? Ça, il faut demander à la loi qui régit la police. Il faut être, je crois, âgé de 18 ans, congolais, et être, avoir une certitude, un certificat de bonne mentalité, bonne mœurs, être apte et tout. Je crois qu'il y a des critères formels, que nous connaissons tous, mais nous demandons beaucoup plus à aller plus loin que ça. Eleisa Kataka, mieux vaut vivre dans la rue sans mandat, sous mandat de Félix, que d'aller vivre à l'est du pays. Blanchard Beka, que Dieu vous bénisse, Christian. Faire des études de droit en RDC me dégoûte. C'est la honte pour notre justice. Moi, j'ai honte même de dire que je suis licencié en droit et avocat. J'ai honte de nos tribunaux, j'ai honte de nos juridictions, mais j'ai aussi foi que ça marchera. Matt Elonga, on savait que la Mouka est
et du n'importe quoi. Mboussa est clair dans ses dires. Jusqu'aujourd'hui, tout le monde est incapable de dire clairement pour quel intérêt Fayou lui était choisi comme candidat et par quelle magie. Non, mais c'était les élections. Il y a eu un vote et puis il est passé. Géré Gégé Trésor. Bemba est à la base de la destruction de la Mouka. Et comme Mboussa sait que Bemba a causé des dégâts dans sa contrée, cette union était presque impossible. Quel est le rapport que vous faites entre la contrée de Bemba et la Mouka? Je ne vois pas en tout cas le lien que vous faites. Je crois que c'est du raccordement tout simplement. Et c'est pas bien. Du moment où ils ont eu la brillante idée de combattre Félix, ils sont sortis de leur vision. Ils se sont trompés des cibles. Wele, ça c'est gloire. Maintenant, Wele Yaza. La Mouka était une bande de traîtres. Bemba trahit le peuple lors des élections 2006. Katumbi a trahi Kabila. Fayou a trahi Étienne Tshisekedi. Mboussa avait trahi ses frères en faisant la rébellion contre eux. Donc, c'est normal. Mais votre lecture est biaisée. Parce que si vous dites Katumbi a trahi Kabila, si Kabila est considéré comme le mal du Congolais, celui qui le trahit, mais c'est votre ami, non? Je crois humblement que ça. Il y a aussi un petit souci dans la configuration des problèmes. Mesdames et messieurs, le démon ne se trouve pas dans Cache. Les anges ne se trouvent pas dans la Mouka. Et tous ceux qui sont dans Cache ne sont pas non plus des anges. Et tous ceux qui sont dans la Mouka ne sont pas non plus des démons. Ce langage ne pourra que nous diviser et ça ne nous avancera pas. Encore une fois, je réitère. Mettons-nous ensemble. Monsieur Bemba, Monsieur Katumbi, Monsieur Fayulu, Monsieur Mboussa Nyamusi, mettez-vous ensemble. Vous avez beaucoup plus besoin de l'unité maintenant pour combattre l'ennemi commun que de vous diviser comme ça. Je rappelle encore, Monsieur Katumbi, Monsieur Bemba, Monsieur Fayulu, il n'est pas encore trop tard, Monsieur Matungulu, Monsieur Mboussa Nyamusi, il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez sauver ce pays en venant vous unir avec les autres. Unissons-nous, travaillons pour ce pays au lieu de nous diviser comme ça. Ça ne nous aidera pas. L'opposition que vous voulez faire, vous ne pouvez pas la faire avec moins de députés, avec moins de 100 députés à l'Assemblée nationale. Ça ne marchera pas. Vous serez une opposition extrêmement minoritaire qui ne réussira pas. Maintenant, si on s'entend, j'avais postulé pour l'opposition, une opposition républicaine, j'avais postulé à cela, mais c'était quand vous aviez 120 députés ou 130 députés. Dans cette allure, vous n'avez pas besoin de l'opposition. Vous avez plutôt besoin de l'unité maintenant. On a besoin de l'unité pour décongestionner cette pseudo-majorité basée sur les avoirs, basée sur la honte et sur le mal. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était un grand plaisir de vous présenter ces trois numéros du jour. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe qui m'a accompagné. Je vous retrouve pour le direct demain, vendredi et samedi à 12h. Abonnez-vous, ça ne l'oubliez pas. Merci pour les 39 300 et quelques abonnés que vous êtes. La famille s'élargit. Alors faisons un effort que chacun fasse abonner 10 personnes. Au mois de juillet, on aura 50 000 abonnés et ça sera un tonnerre. Puisse Dieu vous bénir tous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Et si je suis allé pour moi, je suis allé travailler dans Zambé. En tout cas, je suis musique. Donc là, va, y a ma mission dans ton pays, aux autres sont comme il faut. Place-le à où est-ce que tu souhaites. Ah? Oyaki, allez, quittez! Polo ça, on est là-bas, tu as un peu de temps. On est là-bas, Lava! Ah! On est là-bas, on est là-bas. Comment vous êtes? Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yoki kiyoko mi partout na Europe, dynamique Congo mi partout na Europe. Maman coquette, ça et comme ils sont partout. Tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Lille, tout comme la Bruxelles. Et puis base la Suède qui est toujours Londres, Angleterre. Puis on a dynamique Congo, dans un quoi avancer dans Colo.